Salut les mecs, comment ils vont les gonzes, bordel, aujourd'hui? Premièrement, je tenais à m'excuser, dimanche, j'ai pas été trop actif, effectivement, je devais mettre un pronostic dimanche, mais j'étais donc aider mon collègue sur le bassin d'Arcachon, les plaisirs d'un terroir, il avait le marché de Noël, donc je suis parti lui filer un coup de pouce, j'ai bossé avec lui, donc ça s'est très bien passé, malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, et effectivement, donc je m'en excuse, premièrement. Deuxièmement, deuxième excuse, puisque j'ai mis un pronostic Montpellier gagnant et ils se sont fait taper à la maison, équipe la plus soi-disant défensive du championnat. Voilà, donc je me suis trompé, forcément vous êtes trompé aussi, ben, on perd ensemble, on gagne ensemble, voilà, vous en avez la preuve exacte. Maintenant, on va essayer de se rattraper aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons, je vais vous mettre deux matchs save, on les combine ensemble, comme ça on aura une cote un peu plus intéressante, parce qu'on m'a dit oui, ta cote à 1,40, t'es pourri, t'es un voleur, t'es un escroc. Bon. Ok, d'accord. Donc la cote, elle sera de 1,85 et je vais mettre Everton gagnant et FC Porto gagnant. Ils sont tous les deux à domicile. Les deux derniers matchs, je les ai vus. Ils sont très costauds en ce moment. Everton fait des bonnes perfs. Bon, le dernier match, ils ont fait 1-0 à l'extérieur, un but à l'arraché, mais bon, ils gagnent quand même. Et FC Porto, je les présente plus. C'est vraiment du sueur, c'est du 4-0. Enfin bref, c'est vraiment une équipe sûre. Aboubakar, c'est le meilleur buteur du championnat. À la rigueur, vous pouvez même mettre Aboubakar buteur pour essayer de donner un peu plus de piment là-dedans. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous mettre vraiment Everton et FC Porto en combi. Ça peut être un pari save, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est mon petit pari gratos que je donne tous les jours. Voilà, que j'ai eu des remarques d'ailleurs. Bon bref. Je tenais aussi à remercier tous mes VIP là, mon club VIP que j'ai monté. Effectivement, il y en a pas mal qui m'ont suivi. J'en suis à 15 abonnés déjà. Très bien, merci les gars. On a eu des bonnes stats ce week-end. Très bien, je pense que vous avez déjà rentabilisé. C'est ok, c'est le top. Maintenant, j'ai aussi un petit message pour les non-abonnés du VIP. Alors, il y en a certains qui essayent de me polluer forcément sur YouTube, hein. Je les vois, hein, les messages, je leur réponds. Voilà, c'est des messages un peu négatifs parce qu'ils me suivaient depuis le début, comme j'avais expliqué, effectivement c'était gratuit, mais ces mêmes mecs qui me polluent, c'est les mêmes mecs qui m'harcelaient de messages au tout début. Oui, tu es super, les stats que tu fais sont énormes, tu as plus de 80% de réussite, machin. Et aujourd'hui que effectivement j'ai lancé ce club VIP et qu'il faut, voilà, il faut cotiser, eh ben je m'en prends plein la gueule. Je suis un escroc, un voleur, un machin. Alors ils mettent sur ma page YouTube qu'ils ont des mecs qui sont à 100% de réussite. Moi, comme je dis tout le temps et d'habitude, c'est que je ne retiens personne. Voilà, les mecs s'abonnent, se désabonnent. Hein. De toute façon, moi, je m'abonne à beaucoup de chaînes culinaires. Je suis un cuistot, voilà, machin, ainsi de suite. Si je suis pas content du mec ou machin, ouais, je me casse. Voilà, terminé. Maintenant, si les gens veulent me suivre, ils me suivent. Si les gens veulent croire ces fouteurs de troubles là, qui me balancent des trucs sur YouTube, allez-y, faites-le. Vous pouvez partir, moi je tiens personne. Voilà. Les gens veulent se désabonner, ils se désabonnent. Voilà. Moi je suis pas marié avec vous, il n'y a aucun problème. Je sais très bien, je me regarde dans un miroir le matin et je sais très bien que mon club VIP sont très contents. Voilà. Ils ont leurs stats tous les jours dans l'après-midi et durant tout le mois. Voilà. Promesse, une parole de l'homme où l'homme ne vaut rien. Terminé. Donc ceux qui veulent toujours me polluer, allez-y, continuez, il n'y a aucun problème. Moi je ne retiens pas mes abonnés, il n'y a aucun souci. S'ils veulent me suivre, à mon avis, s'ils me suivent depuis le début, c'est qu'ils sont satisfaits du taf. Maintenant que j'ai fait ça, effectivement, je me suis fait tellement harceler, il y a eu tellement d'abus que les autres payent pour les autres. Effectivement. Mais quand je vois les messages haineux des mecs, sans déconner, je me dis j'ai bien eu raison de faire ça parce qu'il y a vraiment des gens qui abusent, surtout des mecs qui foutent des stats et ainsi de suite. Voilà, toujours ils en veulent trop, machin, ils t'insultent, même ça devient même haineux. Bon, bref. Je fais même pas attention à ça. Écoutez, j'ai 37 balais, les mecs. C'est pas des petits merdeux qui vont venir me dire, oui, je suis un escroc, je suis un machin. Bref, je ne prête plus attention à ces gonzes là. C'est vraiment de la gnognotte. Bon bref. Donc aujourd'hui, Paris Save pour moi, Everton combiné au FC Porto. Voilà, on a une cote à 1,85, elle est plutôt satisfaisante. Si vous voulez tenter le risque, mettez Aboubakar buteur. Ça, c'est un bon. Je l'adore ce joueur, il est excellent, dynamique, et putain, dans la percée, les appels, c'est vraiment un monstre. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Moi, je vous laisse là-dessus, les gars. S'il y en a qui veulent venir me rejoindre au club VIP avec tous les autres, voilà, vous savez comment faire. Facebook, pronostic foot, je vous accueille, je vous accepte. On dialogue en MP sur Facebook. Sur Messenger.
Et tout se passe là-dessus. Voilà les gars. Merci beaucoup. La bise, la bise, la bise. Ciao.